explore vite fait. Le mec qui se lance, moi même pas d'envie de s'aider. Ouais. Prépare Willy pour son saut en parachute exceptionnel. Mission momie. Abonnez-vous, il faut 1000 abonnés. Hey, yo les boys, j'espère que vous allez bien. Chers amateurs de Lego Bellinata, sur ce haut Lego, on n'avait pas fait depuis genre mai. Donc on va se concentrer là-dessus. C'est tous les Lego de Noël que j'ai reçus. On a une bonne dinde. Donc on va se concentrer là-dessus. C'est parti, bonne vidéo. Donc on commence le tout avec le plus petit au plus gros. Il va ici avec un 7 City. Bon, la boîte, ça c'est moi, ça va pas exprès. Mais franchement, je suis très content de l'avoir reçu. Il m'en manquait un autre, c'est l'avion postal, mais bref, pourquoi je le voulais, celui-là? C'est que ça me rappelait mon enfance. Donc ici, nous avons 89 pièces. Donc c'est le 7, en gros, de la balieuse de rue. Donc 60-249. Donc, petite balieuse, mais franchement, moi je la voulais pour me rappeler mon enfance, donc je suis bien content là-dessus. Deuxième set City maintenant, je suis très content de l'avoir reçu. Ici, nous avons un 60-226, la recherche sur Mars, donc la navette spatiale sur Mars. Donc en gros, ça a été désigné, gardé, inspiré par des vraies images de la NASA, ben, en gros, c'est ça, pour des futures explorations spatiales. Donc c'est mon troisième de la collection. Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça, vraiment, c'est vraiment super belle, j'adore. Donc je suis très content de l'avoir reçu, donc c'est ça pour les City. On passe maintenant chez Star Wars. Sachez que j'en ai reçu juste un parce que en fait les autres, c'est moi qui les ai achetés. Donc on y va, on commence par... Donc dernièrement, quand je vous ai dit que vous souvenez dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'étais acheté des Hot Wheels avec Julien et tout, boutique. Mais également, j'ai trouvé celui-ci. C'était le dernier qui reste au Griffon, puis là, il vient d'être retiré du shop. Donc, je pense que je suis bien content parce que, franchement, ma mère, elle me disait au début non, mais finalement, je l'ai pris et j'ai bien fait parce que c'est pas celui-là qui m'a donné. Donc, nous avons ici, le petit Skywhopper et le Banta 75-265 dans la série C des Microfighters. Nous avons droit à deux figurines. Donc, ici, un pilote de Skywhopper et un Tusken. Donc, c'est ça, donc je suis vraiment content. Et en plus, sachez, j'ai déjà les deux autres, donc j'ai une collection complète. On a droit à quelques petites fonctionnalités sympathiques. Celui-là, je l'ai reçu à Noël. Donc, c'est la pomme maman. Donc, la série 8, le nouveau Battle Pack. Nous avons un AT-AT et un Tatooine Microfighter. Nous avons aussi Luke Skywalker et AT-AT Driver, qui est un pilote de AT-AT. C'est pas mon premier en plus, hein, j'en ai déjà eu. Voilà, Star Wars. Donc, ça ressemble à ça, un beau petit battle deck. L'autre, je vais pas l'acheter parce que j'en ai déjà un. Je disais, c'est encore une autre version qu'ils ont refaite, ça sert pas. Donc, 205 pièces. 75-298. Alors, ceci est beaucoup plus gros, je suis très content parce que lui aussi, lui-même, il était retiré du shop, hein. Je crois qu'il va être retiré dans pas long. Mais, je suis très content de l'avoir eu. Il coûte 90 balles, je trouve au Walmart. Le voici, je l'adore, c'est un coup de cœur. 75-249, 578 pièces. Ils ont droit à 5 figurines. Donc, Poe, Zori, un Snow Trooper du premier ordre, un droid d'Astromech et un Déo, un petit Déo. Trop cool. Donc, ils ont droit, il est magnifique, hein, en voulu. Magnifique, j'adore. Je m'en souviens encore du film, c'est un très bon film. Et franchement, il est magnifique. Nous avons droit à full de fonctionnalités et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour jouer à la guerre. Moi, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur. Je suis très content. Maintenant, on passe sur la plus grosse gamme que j'ai eue cette année. C'est parti. On y va chez du Speed Champion, ici avec la McLaren Elva. J'avais déjà la Supra, genre, pour ceux qui s'en rappellent. Donc moi, c'est ça, j'avais reçu ma fête, la Supra. Donc 203 pièces, 76-902, McLaren Elva. Les bras sont rendus magnifiques, hein, regarde-moi ça. Fantastique. Donc 2 millions, c'est ce qu'on dit pas au Québec, hein, cette McLaren-là. Il y en a une cependant à Montréal, McLaren Montréal. Ils en ont fait une cet été à Montréal.
laisse-moi dire que ça s'est bien répandu sur Facebook. Deuxième maintenant, encore du Speed Champions. La voûte est un ouais. Connaissez avec Jesco. Donc, ouais, il y a un gros trou pendant. Il y a un gros trou, ça je l'aime pas. 280 pièces, 76 900. La nouvelle Koenigsegg. Magnifique. Quand même. Donc, c'est plutôt super, super cool en fait, super nice. Donc, c'est ça. On n'a pas dit notre dernier mot chez Speed Champions. Cette fois-ci, la marque Chevrolet. Le double pack des deux Chevrolet, la C8 et la C3. Donc, ouais, c'est des chars que j'ai pas mal spoté cet été. 512 pièces, 76 903. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer l'arrière. La boîte est super belle. Hein. Celle-ci, par contre, est bien faite. Attention. Donc, une C3 et une C8 que nous pourrons reproduire. Moi, j'adore. C'est une marque Lego que j'aime bien, Speed Champions. Donc, ça fait déjà 3 Speed Champions, mais on n'est pas terminé. Donc, ici, nous avons parmi les plus gros. Ici, nous avons encore un double pack. Cette fois-ci, c'est Dodge, le 76-904. Donc, le Dodge Challenger SR 970 Dodge Challenger TA. Avec ici, SRT Dodge Dragster. Donc, vous avez ici quoi que ça ressemble, pas mal. Ça va être super hot. J'aime bien les photos. Donc, c'est ça. Donc voilà, c'est terminé avec Speed Champions. Il nous en manque en un, je vous rappelle, dans la collection. Si on regarde le catalogue 2021, regardez, d'ailleurs, je vais vous montrer, hein, personne le... Je sais pas si vous l'avez vu, le guide de... Voyons, catalogue 2021, par ça, j'ai pas reçu Ninjago, ok? Les Ninjago, c'est abusé, comment... C'est vraiment compliqué, c'est d'en trouver, ça part vite. Ça, j'aimerais bien me l'acheter. C'est quand même 400$. Donc ici, ouais, Batman et tout, on va passer rapidement. Les Star Wars sont pas très hot actuellement. Ouais, regardez, Dodo est pas mal, lui il est beau. Titanic. Titanic en Lego, c'est incroyable. C'est ça, lui il est magnifique. Hein. Lui je vais me l'acheter, soyez-en certains. Celui-là aussi. Harry Potter, non merci. Super Mario aussi, lui aussi il est très beau. Peut-être me l'acheter. Donc voilà, Speed Champion, regardez. En fait, il y en a deux. C'est celui-là qui me manque. Puis en gros, nous avons la collection 2021 au complet parce que je vous rappelle que j'avais déjà eu la Supra. Il ne manque plus que les Ford que je vais peut-être m'acheter prochainement. Celui-ci, je viens d'aller me l'acheter il n'y a pas si longtemps. Je suis très jaloux, Julien, donc il fallait bien que je fasse pareil parce qu'ils viennent enfin d'en recevoir une commande chez Toys. Un set 18+, le Elf Clubhouse. Donc le set qui avait sorti en 2020. Magnifique, il fallait avec le village Hyper Noël que j'ai déjà. Je suis bien content de la boîte. C'est beau, hein, quand même. C'est rendu beau, hein. Les boîtes, comment ils ont fait ça. Magnifique, le F-Rebox. Ça ressemble à ça. Donc, à l'arrière, nous avons droit à des lutins. Toutes des lutins. Plein de fonctionnalités. Donc, une machine à biscuits, c'est vraiment drôle. Donc, ouais, je suis bien content de ça, de cet achat. 140$ que je me suis fait. Et j'en suis bien heureux. Le prochain est absolument énorme. Il va clore déjà ce haut Lego. Donc, préparez-vous. Il arrive, il est magnifique. 200 balles. La Ferrari 488 GTE AF Corsé. Hashtag 51. 18+, 42, 125, 1177 pièces. Quelle bête, incroyable. Il me l'a fait dans ma collection. La boîte, regardez. Elle est magnifique. Genre, sous licence. On peut remarquer, moi ça la boîte sur tous les côtés. Hein. On peut remarquer même en arrière, regardez ici, il est marqué garder sous licence PRI. Donc la boîte, je ne voulais pas qu'elle soit brisée celle-ci. Donc j'ai demandé qu'elle soit le plus soignée que possible. Ouais, c'est ça. Donc, quel bête, hein? 530 chevaux. 0 à 103 secondes, Twin Turbo, c'est un Twin Turbo V8. Incroyable. Magnifique, quel bite, franchement. Le petit truc qui tue, gars, c'est ça. 310 km/h, officiel produit Ferrari. Génial. Une boîte qui va aller dans mon décor, dans le futur. Donc voilà les amis, je vous en remets ça. Donc voilà les amis, il y aurait d'autres Lego que je vais m'acheter dans le futur. Donc j'espère que ça vous a plu ce mini haul Lego.
un endroit à beaucoup de boîtes Lego. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Beaucoup de voitures. Hein. Dis-moi là en commentaire, mais je pense que beaucoup vont adorer la Ferrari. Ou je pense peut-être Star Wars ou la F-Clubhouse. Bref, dites-moi là en commentaire que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé ça. À très bientôt. Ciao. Oh oui. Chaque fois les boîtes sont défoncées, Chris. Peux-tu les avoir propres? Un petit bestiau. McLaren, Senna GDR. Boîte défoncée sur le bord. C'est chiant, c'est tannant. Sérieusement, au moins l'ando est correct. Mais ouais. Un beau bestiau. Wow, elle est magnifique. Wow. 4 litres. 814 chevaux. Un truc de fou cette bête. J'ai trop hâte de la construire. Elle est magnifique. Wow. 830 pièces. Ouais. 42, 123.